Eh bien, bonjour à tous, c'est le Routier 76. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle marque de miniature SSM. Ça vient des pays de l'Est. C'est un peu introuvable en ce moment vu les événements. Et la marque, j'ai déjà fait une vidéo sur un camion biélorusse de marque Maz. C'était au tout début, c'est pas la vidéo qui a eu le plus de succès. Bon, celui-là, je l'ai eu avant les événements. Et là, à Autorétro en Rouen, j'ai eu la chance de trouver un deuxième Maz porte-voiture que voici. Donc, c'est le modèle 5432. On va le déballer et si vous avez des infos, je suis preneur. A tout de suite. Donc, le voici sorti. On voit un peu son intérieur avec sa double couchette. Les trois rétroviseurs. Ça a l'air basique. C'est un modèle qui a été produit de 1981 à 2008. Et là-dessus, c'est une boîte ZF et des moteurs MAN. Dans les informations que j'ai pu avoir. Je suis preneur pour d'autres. Quant à la remorque porte-voiture, elle me semble extrêmement longue. Ce n'est pas des modèles qu'on voit chez nous. Donc là, j'ai pu la mettre sur béquille et juste en dessous, là, on voit, il y a les roues de secours. Si je la retourne comme ça. Voilà. Donc, c'est le deuxième Maz de la collection. Et ça tombe bien, ça me fait un SMI, un porteur. Le porteur a l'air plus moderne. Ça se voit rien que sur la grandeur de la cabine. Donc des modèles qui sont pas très répandus chez nous, c'est un peu pour ça que je l'ai acheté, parce que ça sort de l'ordinaire. Et comme j'ai pas mal de camions américains, un peu de camions de l'Est, ça nous fait voir aussi ce qu'il y a ailleurs. Et typique chez Maz, j'ai remarqué les trois feux en haut. Les Américains ont ça aussi. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce levé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !